Sierra Morena. Quieren carne de hombres. Las gitanas de Sierra Morena quieren carne de hombres. Des bandits et des babillards qui mangent les voyageurs qu'ils assassinent. Et mille terreurs capables de glacer les plus hardis courage. Des voix dissonantes, des mains invisibles qui vous poussent vers des abîmes sans fond. Mouche le Seigneur, il serait plus prudent de prendre la route de Faen ou celle de l'Estrême Roule. Reconnaissables aisément à leurs cheveux blonds, à leurs yeux bleus et à leurs joues rouges. Donne-moi mon fusil et reste auprès des chevaux. Non, non, j'aurai encore plus peur. Je viens avec vous, mais attendez, grâce avant de sortir mon zèle. À pleine déserte sauvage, une trace d'homme, d'animaux ou d'habitation. Los hermanos commence à cet endroit. Los hermanos, si appelés par ce que trois frères en avaient fait le théâtre de leurs exploits. Dieu merci, ils ont été pris. L'idée de mes autos s'est échappé des prisons de Cordoue. Les deux autres ont été pendus. On voit leur corps sur cette potence à l'entrée de la vallée. Deux cadavres agités par le vent. Mais ce n'est rien à côté. Les choses bien étranges leur racontent sous eux. Leur corps se détache la nuit et quitte le gibet pour aller désoler les vivants. On dit que les deux hommes étaient innocents et qu'ayant été injustement condamnés, ils s'en vengent avec la permission du ciel sur les voyageurs et les passants. Quittons cette vallée. Voilà la venta, point de fumée aux cheminées et point de chien. Ce cabaret m'a l'air abandonné. Seigneur les voyageurs, ayez la charité de prier pour l'âme de Gonzalez de Murcie. Si le vent cabaretier de la Venta Quemada, sur toute chose, passez votre chemin, ne restez pas ici la nuit, sous quelque prétexte que ce soit. Je ne suis pas convaincu qu'il n'y ait point de revoir, mais mon éducation et mon honneur consiste à ne donner jamais. Mosquito, où es-tu? Mosquito! Qu'importe, j'entrerai seul.
Il contient un morceau de la vraie croix. Vous reculez, vous pâlissez. Cependant, la croix ne peut épouvanter que l'esprit des ténèbres. Ne vous étonnez pas de notre chagrin. Nous sommes bien fâchés de vous recruter à vous. Il est notre plus proche parent. Votre mère n'était-elle pas une gobelesse, chère Alphonse? Il est inutile de vous le cacher. Ce n'est pas le hasard qui nous amène ici. Que j'ai jamais vu. C'est un beau
possédé que j'exorcise, le récit peut en être utile à votre salut. Pacheco, honneur de rédempteur, je t'ordonne de raconter ton histoire. Quelques mois, mon père devint amoureux d'une jeune veuve de Séville, appelée Camille de Tormes. Après le mariage, mon père revint à Cordoue avec Camille et sa sœur qui s'appelait Inésie. Ma nouvelle belle-mère débuta dans la maison par vouloir m'inspirer de l'amour. Je devins amoureux, mais ce fut de sa sœur Inésie. La passion devint si forte que j'allais me jeter aux pieds de mon père. Oh, fils, je vous défends de songer à ce mariage. Dernièrement, il serait contre la gravité que vous devassiez de quelque façon le beau-frère de votre père. Secondement, les sacrements de l'Église n'approuvent pas ces sortes de mariages. Troisièmement, je ne veux pas que vous épousiez Inésie. Au désespoir! Pacheco, tu m'as donc t'affligé. Si tu ne peux devenir l'époux d'Inésie, tu pourrais être du brigue la place de corregidor de Cordoue. Il conduisit avec lui sa femme et sa belle-sœur. Deux mois plus tard, je reçus une lettre de mon père m'ordonnant d'aller à son encontre et de l'attendre à la Venta Quemada, à l'entrée de la Sierra Morena. On venait de pendre les deux frères de Soto, sa bande était dispersée, les chemins passés pour être assez sûrs. J'arrivais un soir à la Venta Quemada, je n'y trouvais point mon père, mais l'hôtellerie était spacieuse et commode. Qu'on prépare de moi et qu'on fasse mon lit. C'est que Seigneur, l'hôtellerie est obsédée par des revenants. Nous passons toutes les nuits dans une petite ferme sur le bord de fleuve. Si vous vouliez y coucher, nous vous ferions un lit auprès d'une autre. Tu n'as qu'à aller te coucher où tu veux. Envoie-moi mes gens. Thank you.
cette nuit fatale. J'y épuisais les délices et les crimes. Je m'endormis pour me réveiller le lendemain sous le gibet des frères Otto. Eh bien, mon fils, que vous en sable, je crois que vous auriez été bien effrayé de vous trouver couché entre deux pendus. Mon père, vous m'offensez. Un gentilhomme ne doit jamais avoir peur. Qu'il continue son histoire. Ah! J'étais à demi-mort lorsque je quittais le gibet. Je repris le chemin vers l'Andouffar où on me fit un lit dans la cuisine de l'auberge. Je ne pus dormir. Je suis Camille, ta belle-mère. J'ai froid, mon petit cœur. Fais-moi une place sous ta couverture. Je suis Inésir. Laisse-moi entrer dans ton lit. J'ai froid, j'ai froid. Satan! Retire-toi! Pourquoi nous chasses-tu? N'es-tu pas notre petit mari? Nous avons froid. Nous allons faire du feu. Le lendemain, des patres le portèrent ici.